Rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce deuxième grand entretien de la série finale des rencontres du développement durable 2021 qu'organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomatie avec ECP. Je suis très heureux d'accueillir Jean-Paul Agon, président de L'Oréal au niveau mondial. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Monsieur Agon, je vais très brièvement le présenter. Directeur général de L'Oréal en 2006, président directeur général du groupe à partir de 2011, fonction qu'il occupe jusqu'à 2021, où il y a une nouvelle dissociation de la gouvernance partagée avec M. Hieronymus, puisque vous gardez la fonction de président et il a pris votre relève à la direction générale, avec une constante dans ce parcours, une ambition de développer la performance économique du groupe sans compromettre sa performance sociale et environnementale. Et c'est tout l'objet du grand entretien que nous allons conduire ensemble. L'Oréal est en effet une société qui revendique d'être ancrée dans le temps long. Et pour nous, cette notion était essentielle à l'aune du thème de la journée, dessiner le monde d'après. C'est parfaitement visible dans sa gouvernance. Je viens d'en faire une courte photographie d'un groupe qui a une histoire bien plus profonde. Avec, dans cette gouvernance, des transitions qui sont toujours fluides. Effectivement, savoir anticiper le temps long, c'est aussi prévoir ces mouvements de gouvernance. Ça vous donne une aptitude assez forte à intégrer le développement durable au cœur de votre modèle économique. Et la question que je voudrais vous poser, puisque ça a été, tout ça a été couronné de succès, puisque les Français jugent que L'Oréal, non, c'est même un classement mondial, estime que L'Oréal est le groupe le plus éthique au monde, classé numéro 1 dans ce domaine-là. D'où vient cette singularité pour votre entreprise et comment s'est-elle traduite dans vos décisions à vous en tant que DG, PDG, président, Monsieur Agon ? Écoutez, bonjour d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. Il y a plusieurs questions dans votre question. La première chose, c'est qu'effectivement, L'Oréal est par définition une entreprise de temps long puisque c'est une entreprise dans laquelle il y a une très grande continuité. Il y a une continuité d'abord au niveau du capital, puisque la famille du fondateur est toujours 112 ans après la création de l'entreprise au capital de L'Oréal. Hein, c'est la famille Bettencourt-Schueller, et M. Schueller était le créateur de L'Oréal il y a 112 ans. Et donc cette permanence au capital d'une famille est très importante pour le temps long, justement, comme vous dites, pour une continuité stratégique. D'ailleurs, mon successeur n'est que le sixième directeur général de L'Oréal en 112 ans. Donc là aussi, il y a une continuité du management. Et effectivement, cette grande continuité permet d'avoir toujours une stratégie à long terme, de ne pas être confronté à l'urgence du court terme, de réfléchir sur l'essentiel. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a, nous, envisagé le sujet fondamental du développement durable qu'on a été une des premières entreprises à le prendre en charge. En fait, ça remonte. L'Oréal a toujours été une entreprise qui a eu un très grand respect pour l'environnement, mais je dois dire qu'on a accéléré en 2012-2013 avec un premier plan, un premier programme qui s'appelait Sharing Beauty with All, qui était le programme le plus ambitieux en termes d'engagement, de transformation de l'entreprise sur 2013-2020 et qui est arrivé à expiration en 2020. Nous avons d'ailleurs atteint pratiquement tous les objectifs que nous étions fixés. Et en 2020, donc, nous nous sommes donné de nouveaux objectifs avec un nouveau programme qui s'appelle L'Oréal pour le futur. Et là, qui est un programme à l'horizon 2030 où nous avons encore une fois pris des engagements qui sont effectivement, je crois, probablement les plus ambitieux de toutes les entreprises, en tout cas de grande consommation. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une planification déjà, ce qui est un mot qui, dans l'économie libérale, est un peu particulier. Elle fait plus référence à des modèles soviétiques. Et cette planification, elle se joue sur, en effet, sur le temps long, un septennat pour le premier, une décennie pour le second. Je prends ces deux exemples-là pour pointer le fait que le développement durable n'a rien de spontané. Ça se planifie. C'est un acte de véritable leadership qui suppose de convaincre un nombre de parties prenantes qui est extrêmement difficile à aligner, les actionnaires, le COMEX, les salariés, les partenaires stratégiques, les fournisseurs stratégiques et critiques, pour pouvoir déployer ça avec un vrai souci de l'impact, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs. Vous avez vous-même fait référence à l'analyse des résultats que vous avez obtenus après le plan Sharing Beauty with All.
Ce leadership, vous l'avez imprimé dès votre fonction, prise de fonction pardon, comme PDG. Et c'est intéressant de savoir comment, parce que précisément tout le sujet de la transition qu'on a élaboré autour de ces 80 panels pendant les rencontres du développement durable, il y a une phrase constante qui revient, ça dépend de la volonté politique. Et la volonté politique, ce n'est pas que celle des gouvernements au sens public du terme, mais c'est aussi des gouvernants à la tête des grands groupes. Cette volonté, comment est-ce que vous l'avez forgée? D'où est-ce qu'elle vient dans vos racines, dans votre carrière? Bon, d'abord, je tiens à rassurer ceux qui nous regardent, L'Oréal n'est pas du tout soviétique dans sa manière de fonctionner ni de diriger. Non, en fait, c'est venu tout simplement d'une conviction que j'avais. Moi, j'ai été nommé directeur général en 2006. Juste après, il y a eu la crise, 2008-2009. Et je veux dire que cette crise a été, pour moi, sur de nombreux aspects, ce qu'on appelle un « eye-opener ». Vraiment, j'ai pris conscience de certains sujets fondamentaux, parmi lesquels, effectivement, cette absolue nécessité, cette impérieuse nécessité de transformation radicale du modèle de développement vers un modèle de développement durable. Et à ce moment-là, nous avons, j'ai partagé ça avec le comité exécutif, avec l'ensemble des responsables. Et je veux dire que ça a été très facile d'embarquer tout le monde dans ce projet qui était un projet très ambitieux. Alors effectivement, en 2011, 2012, bon, déjà on parlait beaucoup de développement durable, mais enfin pas du tout au niveau de ce que c'est aujourd'hui. Et nous, depuis le début, nous avons eu cette ambition d'être les pionniers, ceux qui montrent la voie, d'être exemplaires. Pourquoi ? Aussi parce que je crois que quand vous êtes, comme nous, le leader mondial de la beauté, vous commencez la première de vos nécessités, la première de vos actions doit être de faire en sorte de garder la planète la plus belle possible. Et donc, pour nous, la beauté commence par la beauté de la planète, et donc la protection de la planète nous paraissait absolument quelque chose de vital. Et ça a été très facile, je veux dire, d'embarquer tout le monde. On a embarqué tout le management du groupe. On a embarqué tous les collaborateurs. Et très facilement, je veux dire, tout le monde a été très heureux, très enthousiaste, très fier de participer à cette transformation. On a embarqué, bien sûr, aussi le conseil d'administration, tous les stakeholders. Et je veux dire que personne ne nous a demandé de le faire. C'est vrai que c'est vraiment parti d'une volonté de transformation, mais après tout le monde est monté à bord de manière extraordinaire. Et ça vous vaut, je reprends un peu cette notion de leadership, parce que on sent bien, vous le faites même presque avec vos mains, c'est oui. Qu'il faut embarquer, il y a une vraie capacité de conviction. Ça vous a valu d'être classé par Glassdoor PDG le plus exemplaire, si j'ose dire, dans ce domaine-là. Par les Français qui ont évalué ce sujet-là. On s'est beaucoup adressé aux générations futures à l'occasion de ces rencontres du développement durable, avec énormément de jeunes qui s'interrogent sur, évidemment, la planète dont ils vont hériter, mais aussi, du coup, l'emploi qu'ils vont pouvoir exercer dans un monde où il faut trouver un sens à son travail. C'est déjà pas évident en soi, mais en plus, quand la planète est en crise, quand vous parlez d'embarquer avec autant de spontanéité, ça paraît facile, alors que ça n'a rien de facile. Comment est-ce que... quel a été le cliquet peut-être le plus difficile à soulever? Franchement, il n'y a pas eu de cliquet difficile à soulever, mais vous me faites penser à un point important, c'est qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles cette conviction, tout d'un coup, m'a animé, était en fait des discussions avec mes enfants. Mmh. Moi, j'ai trois enfants qui ont aujourd'hui 35, 33 et 29 ans. Et il y a 10 ans, ils avaient 10 ans de moins. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, j'étais directeur général. Et quand je leur parlais de toute la performance de L'Oréal, qui est numéro un mondial, qui fait de la croissance, qui fait de la rentabilité, qui gagne des parts de marché, ça ne les intéressait pas tellement. Ça les faisait un peu bâiller, pour être franc. Et par contre, quand je leur disais, quand j'ai partagé avec eux nos ambitions, nos réalisations en matière de développement durable, le fait qu'on avait réussi à réduire de 80% notre empreinte carbone, malgré une croissance très importante, qu'on était classé numéro un par le CDP, par exemple 58, on est la seule entreprise française à être reconnue par le CDP, qui est vraiment l'autorité en la matière,
comme avec un triple A en matière de carbone, forêt, eau, etc. Là, j'ai vu que mes enfants étaient très intéressés et très motivés. Et donc, tout d'un coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que cette nouvelle génération, effectivement, et c'est formidable, elle veut des entreprises responsables, elle veut du sens, elle veut une transformation. Et L'Oréal pouvait être une entreprise exemplaire dans ce domaine-là. Et on a tous décidé, avec tous nos collaborateurs, d'être ce modèle. Et encore une fois, je tiens à rendre hommage aux collaborateurs de L'Oréal, parce que il ne faut pas croire que c'est facile non plus. Bien sûr, et j'allais y venir parce que cette intuition de famille, si j'ose dire, elle s'est traduite par une façon de faire confiance très particulière dans votre groupe. Vous dites souvent que vous avez pour ça fait le choix de vous entourer d'activistes qui allaient challenger le management pour pouvoir mieux gouverner L'Oréal. C'est comme ça que les différents plans stratégiques que vous avez mentionnés, Sharing Beauty with All 2013-2020, L'Oréal for the Future 2020-2030, se sont créés aussi, avec une volonté qui était sollicitée chez celles et ceux dont vous êtes entourés. Et vous leur avez dit, on fixe les objectifs, no matter the cost, peu importe les coûts. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette... ce qui est assez, comment dire, quand on... dirigeant d'un grand groupe, on a des actionnaires à qui rendre des comptes. Quand on dit no matter the cost, ça veut dire c'est le quoi qu'il en coûte de il y a 10 ans, quoi. C'est très très puissant comme phrase. Comment est-ce que vous avez réconcilié vos différents impératifs? Encore, il y a beaucoup de questions là. Mais là, bon, alors, d'abord, le quoi qu'il en coûte, pour être très franc, on l'a même pas dit. On a à l'époque en 2013, par exemple, on a annoncé ce plan Sharing Beauty with All, qui était effectivement un plan de transformation très ambitieux. Et je me rappelle que d'abord, tout le monde a embarqué, le conseil d'administration a embarqué, tout le monde a embarqué avec nous. Et je me rappelle qu'il y a eu une ou deux questions à l'époque sur combien ça va coûter. Et la question, c'était pas quoi qu'il en coûte, c'était écoutez, on ne sait pas, mais de toute façon, on va le faire. On va le faire parce que de toute façon, il faut le faire. Moi, j'avais la conviction absolue qu'il n'y avait même pas de choix, quoi. Il fallait le faire. Et en fait, il s'est passé exactement ce que je prévoyais, c'est que ça n'a rien coûté. Ça n'a rien coûté parce que la transformation d'entreprise a été une transformation complète. Et face à chaque défi environnemental, on a trouvé des solutions par l'innovation, par des nouvelles manières de faire, par un système vertueux qui a fait que ça n'a pas, en tout cas, du tout entamé la profitabilité de L'Oréal, qui, au contraire, a merveilleusement progressé sur cette période. Sur cette période-là, c'est le chiffre d'affaires qui est multiplié par deux en l'espace de 15 ans. Oui, et puis la capitalisation boursière multipliée par 4, la rentabilité qui augmente. Donc en fait, il s'est passé un peu ce que je pensais, c'est que quand on rentre dans un système vertueux, même s'il y a des coûts qui sont générés par vos efforts, en même temps, il y a des innovations, il y a des transformations, il y a des efforts qui sont faits, et en fait, finalement, ça n'a pas de coût réel. Alors l'autre partie de la question, c'est les activistes. Ça, je suis très fier de cette idée-là. C'est vrai que j'ai eu la conviction qu'à un moment donné, bien sûr, c'est moi qui ai démarré cette transformation, par exemple en matière d'environnement, mais aussi en matière d'éthique, en matière digitale, mais que je ne pouvais pas la porter tout seul. Et que même si j'avais autour de moi tout le monde qui était convaincu, il fallait quelqu'un qui soit en permanence le porteur d'étendard de cette transformation et qui soit en permanence le poil à gratter de l'entreprise, qui fasse avancer tout le temps, qui nous pousse toujours à aller plus loin. Et donc, effectivement, j'ai recruté dans chacun de ces domaines une personne. Et en matière de développement durable, c'est une personne extraordinaire qui s'appelle Alexandra Palt, qui était avant qui travaillait dans les ONG. Et qui est une convaincue absolue, qui porte la cause, qui est au comité exécutif du groupe, et qui nous emmène toujours plus loin. Et bien sûr, elle a mon total support, et maintenant, elle a aussi le total support de tout le comité exécutif, et c'est elle qui est un peu la, si j'ose dire, la Jeanne d'Arc du... Mais elle finira mieux, vous inquiétez pas. La Jeanne d'Arc de l'environnement chez L'Oréal, et qui nous pousse chaque jour à aller plus loin dans la transformation. Et ça, je crois beaucoup à ça. J'ai fait la même chose en matière d'éthique. On a eu aussi un activiste en matière d'éthique, qui s'appelait Emmanuel Lulin, formidable, qui a fait de nous, d'ailleurs, l'entreprise, effectivement, comme vous disiez, la plus reconnue en matière d'éthique mondialement. En matière digitale, on a fait la même chose également. Moi, je crois beaucoup à cette idée de l'activisme interne, le corporate activism, qui pousse une entreprise à aller beaucoup plus loin.
Et Monsieur Hagon, permettez-moi de souligner juste un point, parce que en faisant ce grand entretien, je voulais qu'on fasse aussi d'une certaine manière un portrait de ce qu'est le leadership pour délivrer les résultats de la transition. Et en apportant votre réponse, vous montrez que c'est aussi savoir prendre le risque de faire confiance à des gens qui vont vous challenger et vous amener à vous dépasser. Cette prise de risque que vous avez montré à quel point elle a été rentable sur le plan économique, mais aussi rentable sur le plan environnemental et social, au-delà des données déjà égrenées sur la performance de L'Oréal, dont il faudrait rappeler à chacun que c'est une entreprise qui est dans le top 50 des market cap les plus importantes au monde. Si on zoome spécifiquement sur les sujets environnementaux, notamment sur les sujets climatiques à la veille de la COP26, est-ce qu'il y a déjà des endroits de la planète dans lesquels L'Oréal produit tout ce que L'Oréal sait produire, où vous avez atteint des formes de neutralité carbone? Est-ce que c'est en Europe ou est-ce que c'est ailleurs? Et j'aurais une question qui va derrière ça, c'est puisque vous avez engagé une dynamique qui vient de loin et qui a déjà porté ses fruits, on va comprendre comment. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que ça fasse traîner de poudre, si j'ose dire, que ça puisse... L'Oréal est à la tête d'une filière de l'esthétique absolument incroyable. Comment est-ce qu'au long de cette filière, le long de cette chaîne de valeur, vous arrivez à déployer cette ambition vertueuse pour que le cycle vertueux ne soit pas juste en interne chez L'Oréal, mais puisse faire des petits dans l'économie internationale? D'accord. Donc, écoutez, d'abord, effectivement, en termes de géographique, il faut savoir que le plan de transformation L'Oréal est un plan global. Hein, c'est un plan qui concerne tous les pays et c'est un plan très ambitieux. Mais effectivement, vous avez raison, il y a certaines régions du monde qui sont allées plus vite. Paradoxalement, le premier pays dans lequel nous avons atteint la neutralité carbone, puisque tous nos sites sont neutres au point de vue carbone, c'est la Chine. Parce que nous avons... Mais quelque part, c'est un peu logique aussi, parce que c'était finalement le plus récent de filiale. Donc la Chine, contrairement à ce qu'on pense parfois, est très avancée dans la transformation, en tout cas sur certaines industries. Et donc nous avons voulu... qu'en Chine, être exemplaire, et donc nous sommes carbone neutre en Chine. Nous venons aussi d'être carbone neutre sur toute notre affaire américaine, nord-américaine, avec plus de 25 sites aux États-Unis. Au total des totaux, nous sommes maintenant neutres sur plus de 72 sites dans le monde, et nous serons totalement carbone neutre en 2025. C'est 2025, c'est après-demain. Donc en fait, on est déjà très en avance à l'échelle du groupe par rapport aux objectifs fixés par exemple par la Commission européenne, puisque l'objectif de la Commission, c'est la neutralité carbone pour le continent européen à horizon 2050. On est 25 ans d'avance. Voilà. Moi, vous savez, il faut être honnête aussi, c'est plus facile pour une entreprise cosmétique d'être carbone neutre que pour un énergéticien ou pour d'autres industries lourdes. Ça n'a rien de trivial non plus, au passage. Non, c'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile quand même. Donc il faut être honnête. Mais, et d'ailleurs, c'est une bonne question, parce qu'à l'époque, on s'est posé la question, je me suis posé la question en disant, bon, c'est vrai que c'est plus facile pour nous que pour d'autres, alors est-ce que ça veut dire que c'est moins important et on ne s'en occupe pas? Ou au contraire, puisque c'est plus facile, est-ce qu'on peut justement montrer le chemin? Parce qu'on va être les premiers, finalement, à être carbone neutre, on va être les premiers à avoir 20 sur 20 sur beaucoup de sujets, et donc, d'une certaine manière, de montrer le chemin aux autres. Et effectivement, votre deuxième question, c'est la filière. Et notre volonté d'exemplarité se manifeste aussi, bien sûr, dans la filière de l'industrie cosmétique. Alors d'abord, il y a une façon très simple d'emmener tout le monde, c'est d'emmener tous nos fournisseurs. Et donc tous nos fournisseurs stratégiques, par exemple, nous leur faisons signer des partenariats de transformation, développement durable comme nous. Et alors, ça veut dire que vous les accompagnez aussi de ce Bien sûr. Alors, mais d'abord, on leur demande de s'engager comme nous à une transformation. Pour être fournisseur stratégique de L'Oréal, il faut avoir le même engagement quelque part que L'Oréal dans cette direction. Et deux, pour les aider à y parvenir, on les accompagne, on les aide, on les forme, on partage avec eux notre savoir, etc. Et également, dans notre métier, comme il y a une certaine forme de... Comme tout le monde se regarde et il y a une forme de concurrence, de saine émulation, ça entraîne aussi les concurrents. Donc je pense que de ce point de vue-là, la filière cosmétique va être une des filières les plus industrielles, les plus en avance et les plus rapides dans la transformation, en partie parce que L'Oréal aura montré le chemin. Si je prends la dernière étape sur les concurrents, on l'a dit, L'Oréal, c'est sans doute l'un des leaders mondiaux de la cosmétique.
Est-ce que vous avez déjà vu des effets directs de ce côté pionnier chez vos concurrents sur d'autres géographies où certains sont peut-être plus implantés que vous ? Oui, bon, on a des concurrents qui sont aussi très respectables. Hein. On a un concurrent comme Unilever qui est une société aussi très reconnue en matière de développement durable. Et puis beaucoup de sociétés de la filière font des choses très bien. Mais je dois dire que on voit bien, encore une fois, tout le monde se regarde, tout le monde compare ce qu'il fait, etc. Est-ce que ça vous permet de bâtir des coalitions qui oui, ont des effets d'entraînement plus larges ? Oui, exactement. Nous sommes en train de... Alors, sur certains aspects, comme par exemple l'affichage environnemental sur les produits, nous sommes en train de monter une coalition avec des concurrents, avec Unilever, LVMH, Henkel, Natura, sur une façon d'afficher le score environnemental de nos produits. Et ça, c'est très important parce que c'est très important de l'afficher. En même temps, il faut que l'affichage soit compréhensible par les consommateurs et donc le plus homogène possible d'une marque à l'autre. Absolument. Sinon, c'est impossible pour un consommateur de suivre ce qui se passe. Oui. Donc, effectivement, partout où nous pouvons entraîner la filière, faire des partenariats avec nos concurrents, nous le faisons parce que ce n'est pas du tout un domaine de concurrence. On ne cherche pas du tout à être plus malin que les autres, ou on cherche juste à montrer le chemin et à emmener tout le monde avec nous. Merci, monsieur Agon. En parlant de ce score dont vous venez de vous expliquer la philosophie, on reboucle avec le grand entretien que nous avions juste avant de vous recevoir avec le président de PwC France et Maghreb, monsieur Moreau, puisqu'on expliquait précisément qu'il fallait aussi, pour pouvoir aller au bout du chemin, c'est-à-dire obtenir des résultats, des métriques qui soient homogènes, qui permettent de rendre des comptes, que ce soit à des actionnaires ou à des clients ou aussi des fournisseurs, de sorte que ce langage, il y ait une vraie grammaire du développement durable. On a beaucoup parlé de l'aspect environnemental des actions de L'Oréal. On aurait pu développer aussi sur la dimension sociale du développement durable. J'ai toujours à cœur à ce qu'on n'oppose pas le pilier social au pilier économique ou environnemental du développement durable. On arrive au terme de ce grand entretien. Monsieur Agon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci plus généralement à L'Oréal d'être soutien de ces rencontres du développement durable. Merci tout particulier à l'ensemble de vos équipes qui nous ont aidés à bâtir ces réflexions. Et vous faisiez tout à l'heure référence à l'activiste Alexandra Palt, qui est la directrice générale adjointe du groupe chargé du développement durable et qui est aussi la directrice générale de votre fondation, si je ne méprends pas. Mmh. Et on a eu la chance l'année dernière de recevoir Madame Palt. Ça nous permet de rendre hommage à ces activistes que vous avez vous-même mentionnés. Vous avez bien raison, elle est formidable. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc très prochainement pour la suite de ces grands entretiens de conclusion des rencontres du développement durable 2021, soutenues dès la première édition l'an passé, lancée sous le patronage du président de la République par L'Oréal, qui se poursuit cette année, qui se densifie aussi avec la présidence de M. Agon. On se retrouve dans quelques minutes, je cherche l'heure exacte puisque le programme a un tout petit peu bougé, avec le CEO d'AXA, M. Thomas Bouberle, que nous retrouverons à 18h. Ça sera l'avant-dernier grand entretien de ces rencontres du développement durable. À tout de suite, faisons 2030 dès 2022.